Bonjour et bienvenue dans la pause café. La pause qui s'impose, c'est Jaten avec vous. Et cette fois-ci, un tout nouveau petit bijou qui vient de sortir récemment. Ce 24, si je me souviens bien, Resident Evil 2. Enfin du nouveau, du tout cuit, du tout finement préparé aux petits oignons sur la chaîne. Quelque chose de plus neuf que neuf. Donc, avant de lancer, de faire tout ça, hop, on va commencer en même temps au passage. De toute façon, j'ai tout fait au préalable. Bonus, voyez voir. Bonus, DCCI, concept art, modèle. Non, non, ok, non. Concept, non. Défi, non, bon, on verra ça plus tard. Hors vidéo, en tout cas. J'ai fait déjà tous les paramétrages du. Chercher, bah, de toute façon, nouvelle, parce que j'ai rien commencé. Les paramétrages de la nouvelle graphique du nouveau Let's Play sur la chaîne. Donc, comme ça, c'est fait sans hors caméra pour que ça soit plus vite. Et bien avant, on va commencer le truc crucial qui je vais choisir. Et comme je n'ai aucune autre foutre meilleures idées, j'ai déjà fait Léon. Perso, j'irai bien sur Claire. Jouons Claire. En mode normal. Allez hop. Et au passage, petit chargement. Je tiens à faire un petit passage. Putain, l'écran de chargement qui est déjà fini, sans déconner. Je te jure que c'est vrai, ok. J'ai vu ça de mes propres yeux. Oh, mais je te crois, tu sais, je te crois. Allez. Il faut cette chose. C'est un burger. C'est ok, quoi? Donc, c'était vendredi soir dernier. C'est un burger. Alors que je rentrais du bar. Cette femme a commencé à venir vers moi. Donc je vais te le conseiller. Je me suis dit qu'il était bourré. Mon gros camionneur, quoi. Okay. J'évitais de parler pendant les cinématiques, ce sera mieux. J'étais quasiment sobre. Mais bien sûr. Écoute-moi, d'accord? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux. Mais sans déconner, tout son visage. Le bon gros routier américain avec son burger dans la main et sa casquette de baseball. Un cadavre ambulant, mec. J'ai la même à la maison. J'ai jamais rien vu de pareil. J'arrive plus à dormir. Parlez qui, ma femme. Allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, tu dois rester fort, ok? Laisse pas la peur t'envahir. Oh, mais qu'est-ce qu'il est magnifiquement fait, si ce personnage. Je devant ces choses, elles en profitent pour moi. C'est pas vrai. Ça devenait intéressant. Bon, qui est juste un petit peu le bruitage du. Du canot comme dans les. Oula, ça me dit tes varies. Oh oui. Comme les moustiques sur le pare-brise, il reste quelques poils qui traînent. Bon, d'office, elle a pas été là que par hasard, ça c'est un zombie. Mais ça se sent gros comme une maison. Vous croyez qu'on peut attraper le virus T par de sexuellement transmissible par hasard? Essaye. Bon, quand même, je suis pas chaud pour voir sa gueule, même si on est dans un jeu de roi, je suis pas très partant pour voir la gueule qu'elle doit avoir. Ah bah t'as juste. Que on va dire que t'as juste essayé de te sauver. Oh. Da fuck. Oh, ce bouson cuir! Ouais, je suis bien sûr, Harley! Tout est plus beau, directement la vie est plus belle sur une Harley Davidson! Je reviens dès que j'ai trouvé Chris. Compris, faut que je file. Je viens de repenser à la pub directement de Chris. Chris, vous allez vous aimer. Oh putain, qu'elle. Oh putain, mais elle était vachement jeune! C'est quoi ça? Juste un ivrogne passager du coin. Eh oh! Miss Oil. Explorer les environs. D'accord, déjà ça se commence comme ça. J'ai déjà un. Putain, j'ai un petit revolver! Ah, la caméra elle est. Elle est vachement bien dit. Oh putain, Claire. Tu tournes pas la tête! Tu veux pas que je te vois? C'est ça? Tu veux pas que je te regarde? De toute façon, j'ai un bon plan sur ton. Revolver. Ah, déjà ça pue. Concrètement, ça pue.
Du coup, maintenant, le temps qu'on va explorer les lieux. Petite annonce vite faite dans deux temps. Trois mouvements, mais quand même bien dit. Cigarette, ok. Comme vous avez pu le constater, ça fait beaucoup de dans cette phrase. Les vidéos maintenant sont postées quasiment tous les mercredis, voire samedi si je n'ai pas pu. Welcome to Home of Umbrella. Ok, d'accord. On peut pas ouvrir ? On peut pas ouvrir. Tous les mercredis, voire les samedis, si je peux pas faire à cette date-là. Du coup, maintenant, ce sera beaucoup plus ponctuel qu'un peu plus aléatoirement comme c'était avant. Et là, c'est soi-disant ouvert. Ok. Je vais ouvrir. Merci, on peut ouvrir en mode gros coup de savate. Eh oh ? Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? En général, quand c'est noir comme ça, non, il y a personne. Alors qu'il y a de l'éclairage à l'intérieur. Ah ouais. Eh oh ! Qui plus est, tant que j'y suis... Bien sûr, je ramasse pour mes trucs, c'est une lampe torche. Inspecter le magasin. Je sens que ça pue la merde. Je vais mettre directement en descriptif des derniers épisodes. Oui, ok. Qu'est-ce que ça va ? Attends, c'est la voix de Nami. Enfin, c'est le doublage de Nami. Oh, t'as dégusté. Oh, t'as dégusté. Vous pouvez retrouver maintenant en quasiment à chaque descriptif d'épisode de DSO de Hero4 et maintenant de Hero2. Mes réseaux sociaux qui sont sur Facebook, Twitter ainsi que Instagram. Pour ceux qui veulent avoir les news en temps réel. Excusez-moi, mais tu vas bien ? Oh non, toi t'es mort, t'as pas du goût. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ah bah là il a lâché. Qu'est-ce qu'il arrache ? Oh il est magnifique ! Mais qu'est-ce qu'il a racheté ? Ne t'approche pas de moi ! Vas-y, vas-y. Tiens ! Ah merde. Fuck, da fuck. Tiens, c'est là tu l'as. Mais non, je vais coller une dernière. Bien sûr, il me meurt. Alors attends, on m'a dit cependant que dès que je voudrais rester couché. Mais il ne reste pas couché. Vas-y. Là. C'est là. Tu te l'es mangé. Et ma dernière petite info. De toute façon, toi t'es mort. Comment tu t'es fait arracher? Je ne sais quoi. Une bonne partie de la jugulaire. Pour ce. Ouh. Bon, et bah, ça, de toute façon, les mecs des stations de route, hein. Hop, j'ai trouvé une clé. Y pour ouvrir l'inventaire. Ok, ça. Pour la série Minecraft que j'avais fait il y a un bon petit moment, honnêtement, au bout de 3 ans, vous avez pu. Si. Quoi ? Il peut pas être vivant. Bah, non, il est. C'est pour ça qu'on appelle ça un mort-vivant. Putain, mais tu vas creux. Ah, ça y est. Putain, mais quand même, c'est mon petit revolver qu'elle a la gamine, hein. La petite Claire. Je n'ai plus tout à fait le goût de faire Minia Iceland. Je le ferai peut-être. De toute façon, ce n'est même plus vraiment ma série principale avec tout ça. Alors, et la commande, c'est ça. Utiliser. Tac. Je la ferai peut-être au final si j'en ai l'envie, mais... Oh putain, et en plus j'ai quoi ? Plus que 2 munitions. Ok, je me tire. Oh ! Mais d'où tu sors, toi ? Bien sûr, il me bloque le passage, c'est enculé. Lui, il est là. L'autre, il est là. Passer par l'arrière ! Ah bah non, je peux plus passer par l'arrière. Mais... J'ai chaud aux fesses. Non, non, non et non. Léon, oui. Tirez pas. Enfin, tire de ce qu'il y a derrière. Du coup, Léon est quand même là pendant la campagne de Claire. Ça va?
Ouais. Oui, t'as pas Je crois. Au préalable, je sais pas. Si on s'en sort. Des munitions ? Oh mon dieu. Ouais, comme tu dis. Est-ce que je vais réussir à faire un petit snap entre temps ? Quoi ? Oh, t'es tout moche. Suis-moi. Oh, qu'il est tout moche. Accroche-toi. Oh là 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 là. Je vais pas réussir à prendre mon snap en fait. Non. Je veux une pièce de Léon, s'il vous plaît, avec Claire. Eh, hey, Marley, sans déconner. Bande de gros dégueulasse, je voulais Marley, moi, encore. Qu'est-ce qui se passe ici ? J'en sais rien. Espérons qu'ils en sachent plus au commissariat. Ou pas. D'après la démo, ils en savaient plus que ça. Et toi ? Claire. Claire Redfield. Enchanté. Essayons de survivre. Non. Je cherche mon frère. Apocalypse à Raccoon City. Bah, une chance qu'on soit rencontrés. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. Une chance ou une malchance, je ne sais pas, selon vos goûts, hein. Sachant qu'il y a marqué un mot à la Corporation, je n'ai pas trop envie d'y aller. Wow. Ils ont mis le budget, ces enculés. Mais c'est presque... je suis sûr et certain, les prochains Resident Evil sur les vieilles consoles vont ressortir au goût du jour comme celui-ci. C'est impossible autrement. Vu que là, il y a eu principalement que de l'intro, enfin que de la cinématique. Oh, badass! Je pense que je vais aller au-delà des 25 minutes de tournage de Let's Play, parce que là, franchement, ça va être 25 minutes. Quand je vois sur YouTube ceux qui font des 1 heure, c'est inconcevable. J'ai pas envie de faire un truc pour une chaîne qui débute comme la mienne depuis quelques temps. Non, ce n'est inconcevable. Oh, mais même ça, ils ont mis le budget, c'est beau. Je reste sans voix sur cette magnifique petite intro. Oui ? Suite aux incidents qui touchent la ville, nous vous invitons à venir vous réfugier dans le commissariat de police. T'appelles ça un incident ? Même Léon, il est au désespoir le plus improbable au monde. Oh mon dieu, c'est surréaliste. Ouais. Le commissariat est plus très loin. Arten disait la même chose après s'être fait péter. D'accord, mais... Imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé. Ouais, une grande ville, mais qui peut s'infecter tout aussi vite. Hein. J'ai déjà vu la gueule de... vu la gueule des rues, mais comment... C'est une grande ville, ou à part ça, tout va bien. Nous sommes en apocalypse en ville. Nous sommes dans une grande ville. Mais, chut, j'ai dit, nous sommes dans une grande ville. Là, là, la preuve de ta grande ville. Deux infectés qui bouffent un. Courir, plutôt. Ouais. Tu marques un point. Léo, il faut que tu recules. Parcule avec des gens qui te tiennent autour. Qu'est-ce que c'est que ça? Je le sens pas. Ah, c'est le camionneur de tout à l'heure. Allez, vite! Je peux pas! Oui. Même lui, il n'y arrive pas sans déconner. Ah, ouais. Ah, ils ont pris service! Ah, et puis bien sûr, le bon petit scénario de la fuite d'essence. Au moins, là, ça va en cramer quelques-uns. Ah, vous voyez. Et là, tu peux faire. Léon ! Ou Claire ! Ou j'aurais pas aimé être à ta place. Mais non. Léon en avait de pire. Bon, il était jeune. Là, il est jeune. Ici. Ça baigne. C'est trop dangereux. Pousse en l'air. Ah putain, mais même là. On se retrouve au commissariat.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Ah, ouf, tant mieux. Bon, bah, de toute façon, faut que je les esquive. Je peux pas monter sur les voitures par hasard. Je ne peux pas monter sur les... Eh, mais je l'ai vu. Faut pas que je reste là. T'es marrant, t'as... je connais pas le commissariat, j'ai même pas le minimap. Non, tu me touches pas. Oh, merde, je me suis keblo. Chemin alternatif, s'il vous plaît. Là, ici. Je mettrai ma main à couper. Ah, merde. On croirait la fin du monde. Si, c'est bon, chemin alternatif. Ouh, j'ai chaud, parce que là, va te faire... Impossible de me débarrasser de tous ces zombies dans cette petite ruelle de ces morts. Le commissariat. Ah, le voilà, nickel. J'y suis presque. Honnêtement, il me reste que deux munitions. Ouais. Je vais y passer tôt ou tard. Là, je peux pas passer par là. Putain, obligatoirement. Voilà, nickel. Ok, il y en a un qui casse la tête. Je fais comment? Est-ce que seulement ça veut... Oui, ça... Ah, mais le truc de sécurité. Voilà. T'es une bonne fille qui veut survivre à un apocalypse zombie. Raccoon police. Sérieusement. Ah, j'ai trouvé, j'ai gagné un succès. Mais que fait la police? La police? Elle est là. Vous la voyez, la police? Par contre, y a-t-il pas des choses qui pourraient éventuellement traîner? Genre des munitions, je sais pas. Oh putain, et quelle idée de. Laisser des corps, on se croirait dans Dead Space à ce niveau-là. Ah, je me lasse pas de ce... Oh là là, de ce graphisme aux petits oignons. Nous y voilà. Donc là, c'est par là, explorer le commissariat. Ok. De toute façon, là... Y'a quelqu'un? Léon! Léon! Hop. Je vais pouvoir vite. Déjà, à recharger, c'est déjà ça. Et surtout, pour commencer, la bonne vieille machine à écrire. Putain, et Rocket, c'est pas aussi rapide. Oh là là, mais. Allez, Chris. Ah, je sais pas à quoi ressemblait quand elle était dans l'ancienne version. Allez, il est là. C'est vraiment lui ou quoi? Il y en a à l'intérieur. Là, c'est pas Chris. C'est pas Léon. Ça aurait pu, mais... Ça aurait été con de changer la démo. Le retour du canard de la mer. Non. Et du coup, il s'est pas fait toucher. J'ai cru qu'il s'était fait mordre la première fois, mais au final, non. Il faut que j'aille l'aider. N'empêche, t'as quand même un putain de faux air avec la cale ici, hein. Je crois que ça j'en ai plus besoin. Une clé très usée. Je vais la déposer parce que ça m'étonnerait que je puisse la réutiliser. Lors de la démo, il y avait quasiment rien à trouver. Un spray de premier secours. Très bon. Y a-t-il autre chose qui pourrait y traîner? Quand même, il a dû servir de centre de premiers soins au passage. Quand même, au niveau état, santé et soins, oui, c'est bon, je connais la santé et les soins de Resident Evil. Là, il y a une porte. Et bizarrement, il y a... Alors, il y a une petite taille qui est illimitée. Ah non, ok, mais je crois que ça parlait de ça, mais là. Par contre, je viens de voir que... Lors de la démo... Limite, ça pourrait me faire penser à mettre de ces genres d'insignes éventuellement. Putain, on dirait qu'elle est au bout de sa vie quand t'as cours, mais pourtant, bon, elle a été blessée une fois, mais pas non plus. Bon, je suppose que ça va être pareil, je vais pouvoir y aller. Ah, des munitions. C'est nickel, ça m'en fait un petit. Attends, je suis tourné. Ah, ils ont toujours ce bon vieux réflexe de retournement instantanément. Instantanément. Ça fait beaucoup des mains dans cette phrase. Là, je suppose que voilà, je ne peux pas.
J'espère qu'ils l'ont pas trop fait en mode. Alors attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, j'avais vu, mais sauf que ça. Alors là, on a un lion. Je pourrais suspecter que je pourrais mettre l'insigne. Je sais pas lequel. Putain, au niveau des signes du zodiaque, je sais. Ah, et puis il y avait pas que du signe du zodiaque d'ailleurs. Pour allumer la lampe. Ouais, non, la lampe, je me souviens bien, elle se réactive instantanément dans les lieux sombres. Du coup, c'est même pas la peine de chercher. Là, c'est quoi? Une porte basique. Une porte basique. Oh, avec de l'herbe. Plante verte. J'espère quand même que la capacité pourra s'augmenter de l'inventaire, ce serait pas mal. Là, éventuellement, il n'y a plus rien. Et là, il y a quelque chose. Brochure. Pharmaceutique. Vive la pharmaceutique, hein, je te jure. Je vais apporter une bonne attention, on va dire. Hein. Elle était autrefois au musée. Ouais, c'est un peu. Ouais, bah, du coup, avec la grande statue, le lion. Se trouve un orphelin, faut-il. Oh putain. Je remettrai la main coupée qu'ils ont dû. Quelle idée quoi. De transformer un musée en commissariat. Ouais, et quelle idée de, que la Umbrella utilise. Oh, tiens. Oh putain. Pas encore ça. Faut que je trouve le code pour ouvrir ce truc là. Et quelle idée que la Umbrella utilise un orphelinat. Ah merde, je peux pas y aller. Donc du moment qu'il y aura l'insigne de pique, je ne pourrai pas aller plus loin. Du coup, bah plus qu'à descendre. Hein. Même là, il n'y a pas de petit peu de munitions. Non, non, ok. Bah, je suis bien équipé. Elle a de très bons atouts. Bon, au moins. J'espère qu'ils l'ont vraiment pas fait trop en mode girly. Elle. Ce serait un petit peu décevant. C'est toujours les meufs en train de se pavaner en mode ah là 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 là, je suis la vieille fille à protéger. Allez hop, active-moi ça. Ok, je peux pas aller plus loin. Keep out, je m'en fous, j'y vais. Génial. Et ouais, comme la première fois. Il est où? Il est où? Bah, en tout cas, c'est clair, il est pas là. Hein. Bon, j'ai 8 de munitions avec 5. De toute façon, et à mon avis, il va se manquer un putain de fusible. Les téléphones, mais les téléphones. Les téléphones! Les téléphones ne sont pas. Est-ce que je peux ouvrir ce truc? Je peux, on dirait. Je ne peux pas ouvrir ce truc. Ok. D'ailleurs, il faut que je fasse attention à mes munitions, parce qu'ils sont beaucoup plus casse-couilles à tuer que dans Hero 4. Wow, 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 wow. Qu'est-ce? Que se dire? Qu'est-ce ceci? Non, personne, bon. Respire, Claire. Oui, respire. Respire. Putain, ça t'en est pas du tout ça. Je veux juste retrouver mon frère. Là-dedans, dernièrement, il y avait rien. Mais en visitant un peu plus, il y avait quelque chose. Toi, par contre, tu bouges pas. Et là, attends, il y a un petit bouton. Ah, tiens. Il y a peut-être quelque chose à faire avec. Et je peux allumer les lumières. Palapapapapa. Oh, des munitions. Des munitions. J'avais pas assez regardé lors de la démo. Là, il manquerait plus que ça s'active. Bon, visiblement, non. Tu vas bien me sauter à la passe, t'en. Non, c'est. Ça aurait pu tellement. Oh, bonjour, je suis Claire Redfield, je suis démolisseur. Déménageuse breton. Ah, égalité des sexes, ma gueule. Donc là, vestiaire d'âme. Vestiaire d'âme. Pas vestiaire d'âme, c'est surtout. Et toilette d'âme.
putain, il a... Bien, ah, deuxième spray. Ça m'en fait deux. Et plus une petite herbe. Ah, il a bien bouché les chaises sans forêt, hein. Eh, les lendemains de cuite, c'est pas ici, c'est pas au commissariat qu'il faut se torcher, hein. On est allé 26 minutes de vidéo. On s'en fout, de toute façon, il y a eu là les cinématiques. Oh, mon dieu. Ah, par contre, est-ce qu'éventuellement je peux péter ça avec mon revolver? Je suis presque sûr qu'il va me falloir. Ouais, j'en doutais. Il va me falloir une pince ou une connerie du genre. Oui, j'arrive. Chaque chose. Ok, donc il peut se faire avec des choses avec. J'ai quand même tiré un bon coup de revolver. Hein, personne se réveille. Non, tu veux pas? Non, tu ne veux pas. Oh là 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 là, mais un petit peu de. Je suis là, mais pas la peine de se presser autant! Oh putain! Et quand tu sais que tu ne peux pas sauver ce pauvre homme. Je suis quand même curieux de savoir comment il. Tellement bouffé, il devait pas être tout seul, c'est. Kebab! À quel moment il a dit préviens Marvin, Marvin. Eh ouais. On va prendre ça. Le petit dessin fait par le les enfants de. Ouais. Alors, statue de la déesse. Wet out. Ouais, ça c'est par le. Donc ceci nous permettrait de, en bougeant, je suis sûr qu'en dessous de la statue il y a forcément ces fameux escaliers, il faut trouver les trois enseignes, alors les trois, du coup les trois médaillons pour pouvoir retourner ici. Ok. Ah, je m'en doutais qu'il y avait quelque chose avec ces trucs. Le lion on a une, la déesse on a une à sa ceinture. Enfin une autre déesse on a une à sa ceinture et ce qui semblerait être une licorne. Ce coup-ci, je sais que toi tu m'attends. Je sais que tu m'attends. Viens là. Tiens, ouh, je t'ai fait perdre ton calot. Ok. Alors, on va pas perdre ses munitions. Ouais, bah tu me la fais pas la The Grudge, s'il te plaît. Fuck. On va les attirer à là. Venez là. Ah, puis avec l'autre qui traîne à mon cul, je le. Fuck. Allez, venez, suivez-moi. Gente dame. Oh, fuck. Ah, comme par hasard. Non, lâche-moi! Je vais pas être bouffé! J'ai eu de la chance. Alors, est-ce que l'autre va être derrière? Ouh, cette chance! Je voulais faire l'effet inverse et défoncer la. Merde, je me suis perdu. Défoncer la porte pour projeter les zombies derrière, parce que ça n'a pas marché. Et Hitler, passe en dessous. Range tes seins, rentre ton cul. Et sors au plus vite! Du hachis parmentier. C'est fini. T'es pas payé ton stock. Marvin Brada. Merci. Ouais, un faux air de calicie. Ouais, disons que je sais me débrouiller. Yeah. Dernièrement, j'avais 3 dragons sous mes ordres. J'espère que tu vas pas me refiler de MST avec ta main toute dégueulasse.
Est-ce qu'on sait ce qui a causé tout ça? Des femmes avec beaucoup trop de très abondantes. Mais tout ce dont je suis sûr, c'est que cet endroit est infesté de zombies. Ouais, j'ai vu ça. Des zombies. Hey, garde ça allumé. On sait jamais. Je vais pas traîner ici. Juste le temps de retrouver Chris. T'es vraiment la sœur de Chris? Oui. Tu le connais? Il est où? Il est où? Pourquoi? Vous avez quelque chose? Il est en vacances. En Europe, je crois. Depuis quelques semaines. Si, si. Qu'est-ce que je fous là alors? En vacances. C'est une bonne nouvelle. En parlant de bonne nouvelle, apparemment il y aurait un moyen de sortir par ce passage secret. Genre, je vais chercher mon frère, l'autre il s'est veillé. Il m'a même prévenu qu'il était parti faire un petit tour en Europe à Paris avec sa copine. Quoi. On devrait vous emmener à l'hôpital. Non, non, non. T'en fais pas pour moi. Je peux me débrouiller. De toute façon, un sorcier, c'est mort. Allez, dis pas de bêtises. Mort. Il vous faut tout clair. Il faut que tu sauves ta peau. Que tu puisses revoir ton frère. Tiens. Tu vas avoir besoin de ça. Ouais, j'en aurais sûrement plus besoin que toi là à ce moment-ci. Sois prudente. Si tu croises d'autres de ces choses, peu importe qui ils étaient, tu dois pas hésiter. Tu laisses si tu peux. Sinon, cours. Ah, il s'en sent. Il est pas les mêmes émotions qu'avec Léon dans la démo. Couteau de combat. Sortir le couteau LB et attaquer. Ok. Ah, dis-moi, il a une durabilité. Il a une durabilité. Ah, maintenant que j'ai un couteau. Bon, par contre, tu permets, mais moi je recharge mon arme. C'est pas elle, donc c'est le lion qui aurait un truc. Mais on va pas voir ça tout de suite, même si ça me démange. On est déjà bien hors délai de vidéo avec toutes ces cinématiques. C'était Jaden de la Pause Café. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de commenter si ça vous a plu. Ou finalement, ça vous a plu. Et tac. Eh ben si, vous aussi. De partager, ça va faire vivre un peu plus la chaîne. De partager, je viens de le lire, d'aimer.